Je vais prendre ta douleur. Les cours supérieurs sont organisés par les psychologues de la commission professionnelle psychologue de la SFETD. Chaque année, un groupe de travail se constitue d'une dizaine de psychologues d'orientations différentes. Ce sont des temps qui nous permettent d'approfondir une question, généralement de pouvoir la théoriser, présenter les travaux en cours. On essaie de travailler des questions qui à la fois nous touchent dans notre pratique et font des liens avec la recherche et l'enseignement. C'est pour nous, ces temps-là sont l'occasion pour nous de transmettre une certaine connaissance, un savoir, et puis de l'approfondir et de l'articuler avec la clinique. Donc cette année, on a choisi deux grands axes. On a choisi de travailler sur la douleur en famille et la kinésiophobie. La douleur en famille avec la question qui est comment la douleur organise ou réorganise les liens familiaux, comment elle implique chaque individu dans la famille et comment elle vient jouer quelque chose dans ces interrelations-là. Et puis la kinésiophobie qui est un domaine qui habituellement est moins traité par les psychologues, mais on voulait montrer que quand même un certain nombre de psychologues s'y intéressent. Et en cherchant à articuler non seulement cette question du mouvement et puis de la crainte du mouvement et le lien avec les différents professionnels qui s'intéressent à cette question-là. Je crois que c'est une grande force de cette commission de pouvoir se pencher sur des questions spécifiques et théoriques et de chercher à croiser les connaissances pour pouvoir en développer de nouvelles et pour pouvoir avancer dans une dynamique de recherche et de transmission. Et je crois que ça, c'est une richesse qui est spécifique à cette commission et qui est permise par l'intermédiaire de la SFETD qui nous réunit et qui nous permet de nous réunir pour ça.